Pour le cendre, il y a pas mal de temps que je le pêche depuis l'époque des mobilettes, donc j'avais 14 ans. Ce poisson-là te rend fou. T'arrives un jour, tu vas mettre n'importe quoi, tu vas les prendre avec n'importe quoi, n'importe où, ils vont les jeter sur tout ce qui bouge. Tu vas rentrer à la maison, t'appelles tes potes, ouais, c'est la guerre, ça mord de partout. Le débit a changé, que ce soit un lac, en rivière ou un fleuve. T'arrives le lendemain, tu peux passer pour le roi des menteurs avec ce poisson. Ça fait partie des poissons les plus perturbateurs. Ce qui marche une heure avant est obsolète une heure après. On peut très bien prendre des poissons avec cette couleur, cette taille-là pendant une heure et faire 10, 15 poissons avec tes collègues sur le bateau. Une heure après, c'est plus ça, ton pote a trouvé l'autre vibration, l'autre couleur qui marche. Toi, tu fais plus une touche et lui, s'arrête pas de faire poisson sur poisson. C'est ce qui est génial avec ce poisson. Il est déstabilisant, il te demande une remise en question permanente. Et ça, c'est... J'ai monté une tête ronde qui est sur une canne linéaire parce qu'on va attaquer sûrement linéaire pour voir si on trouve les poissons décalés. Si je fais des touches ou si j'ai des manqués, enfin, ou j'attrape des poissons, je continuerai en linéaire et quand ça va s'arrêter, je repêcherai en vertical dessous pour ajouter des poissons supplémentaires. Bon, l'eau est assez froide et si ça se trouve, on les prendra pas linéaire parce que la présentation leur conviendra pas et on les prendra en vertical ou alors on va les prendre très légers. C'est pour ça que je monte différentes têtes plombées de différents grammages. Là, je monte une tête plombée Ned Rig. Justement, c'est pour avoir une présentation à ras du fond, que vers le haut, sur des pêches lentes. Si ce cas de figure se produit, si on sent que les poissons sont vraiment difficiles, il y a des moments, c'est ce qui va faire que tu sauves ta pêche. En fait, dans ta partie de pêche, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas une technique. C'est un ensemble de techniques que tu dois adapter et à un moment ou à un autre, tu vas coffrer les poissons parce que c'est cette présentation-là qui leur conviendra et pas une autre. Je vais souvent commencer ma pêche au cendre avec des caudales. Tout ce qui est chat, je vais mettre des vibrations différentes. Là, un one-up, là, un nasodog, des nages plus serrées, plus amples, un bas couré, ça va brasser de l'eau, c'est des matières plus souples.
Et si au chat, je n'ai pas touché des poissons, là, après, je pêcherai avec des leurres qui émettent moins de vibrations, comme les slugs, comme les finesses, etc. Mais je vais d'abord commencer volontairement avec des couleurs assez agressives. Et puis, en fonction des résultats, si je n'ai pas là, je commencerai à passer sur des couleurs un peu naturelles, des marrons, des imitations un peu de poissons blancs. Mais d'abord, on va essayer de les agresser, voir s'ils réagissent. Déjà, ça nous donnera des informations sur leur humeur. Quand ils sont un peu agressifs, les couleurs pétardent un peu, coup du matin ou coup du soir, ça peut vraiment rapporter gros. Et donc, je vais procéder de cette manière, avec beaucoup de caudales, des caudales différentes, en jouant sur des tailles entre 4 et 7 pouces. Parce que des fois, ce n'est pas l'histoire de la caudale, c'est l'histoire de la taille. La grosse bouchée, des fois, ça va le faire taper. Donc on va démarrer sur des bouchées moyennes, 5 pouces. Je vais monter, puis je vais descendre, tout en restant dans la caudale. Si je n'ai pas de résultat et que je pense avoir localisé des zones à poissons, là, après, je vais vraiment faire tourner des leurres. Ça, on garde pour après. Différentes cannes, différents grammages, différents leurres. Bref, différentes présentations, un coup rapide, un coup doucement, un coup près du fond, un coup à l'arrêt. On part pêcher le sambre avec un esprit ouvert. On va chercher les poissons, quelle que soit la technique. C'est un sambre, est-ce que c'est une perche, est-ce que c'est... Un beau sang, très très beau sang. Quoi, il fait plaisir celui-là. Changer de leurre, tu vois les chats. Regarde à quoi on le prend, aux finesses. Très très beau poisson. Un très très beau poisson. C'est décroché là. Quand j'ai voulu le prendre, j'ai pas voulu prendre l'épuisette. Très belle touche, tu vois, j'ai monté. Un finesse, c'est un poisson de 75 facile, un très beau poisson qui fait vraiment plaisir. Ah, je l'ai touché, je l'ai caressé. Je l'ai caressé, c'est déjà pas mal. Ah là là. J'ai pas voulu prendre l'épuisette. C'est fou. Hein. Des anecdotes, j'en ai quelques-unes. Il y en a une qui me vient à l'esprit, j'étais avec mon ami Fred, il se reconnaîtra. On était sur un petit lac, et puis je crois qu'il faisait moins 4 ou moins 5, et moi le froid c'est pas trop mon truc à la base. Et ça mordait pas, le lac baissait, ça mordait pas, impossible de faire une touche. C'était compliqué, alors que deux jours avant on avait fait une pêche exceptionnelle. Et puis à un moment je m'accroche. Je m'accroche à un tronc là, dans 5-6 mètres d'eau. Et puis ce leurre, je ne voulais pas le perdre. J'ai tout essayé pendant 5 minutes. Parce que j'en avais plus que, je ne me souviens plus quelle couleur c'était. Et ce leurre là, ben, accroché, j'ai dit attends, je vais avancer le bateau. J'ai tout essayé pendant au moins 5-6 minutes. Puis en avançant vers le leurre, j'étais bien accroché dans le tronc. Là, j'ai pris une espèce de cartouche. Une touche dont tu te rappelles, c'est un sand qui est venu me taper le leurre contre le tronc, qui a engamé le leurre, qui m'a décroché, et c'était un sand qui faisait dans les 75-80, donc un joli poisson.
Ça a été le seul qu'on a pris de la journée. Ça, c'est quand même exceptionnel. Tu ne le vois pas avec toutes les espèces. Ça. Celle-là, ça me tenait à cœur de vous la partager parce que vraiment, ça m'est arrivé. Une fois, c'est arrivé à plein d'autres potes, mais ça m'est déjà arrivé dans d'autres situations où on faisait plusieurs poissons dans la journée. Ça arrive que quand on accroche, eh bien, des fois, s'ils sont peu joueurs qui sont calés là, ça les énerve à force que ça bouge, ils viennent y taper dedans. Ça m'est arrivé peut-être 3-4 fois dans ma vie. Mais cette fois-là, ça m'est arrivé, c'était le seul poisson de la journée. Cette histoire-là, j'avais envie de la partager avec vous parce que ce poisson-là, il a le don d'agacer. C'est un poisson qui peut t'agacer. Mais là, on n'a pas les plus belles conditions du monde. Le Rhône est pourri, ça fait 15 jours. Mais bon, tu pêches pas, tu sais jamais ce qui se passe. Et avec ce poisson, il est tellement encore plein de mystères. Il y a des jours où tu pronostiques que ça va être bon, mais ben, des fois ça l'est moins. Et les jours où tu as des conditions, pareil. Ça fait 15 jours qu'il est pourri, il ne prend rien. On voit bien qu'à un moment, il ouvre la bouche. Donc, il faudra faire tourner tout l'heure, changer les présentations. C'est aussi ça la pêche du centre. Se remettre en question, mais tout le temps. Je me sers du courant, je me laisse dériver avec le courant, puis je le ferai en descendant. Si je ne fais pas de push, puisqu'on a fait un peu du linéaire, on n'a pas fait de push d'entrée, je le ferai après en remontant avec un angle un peu différent. Souvent, ça suffit à déclencher les poissons. Elle est correcte. Ouais, beau ça. Et puis un fleuve, c'est pas comparable avec l'eau douce. Ils sont beaucoup plus combatifs. Ah, joli poisson, hein, vraiment. C'est un plaisir. Yes! Un bon poisson, très beau poisson qui fait vraiment plaisir. Il a avalé le slingshot. Tu vois, la présentation, on a changé de grammage. On était passé au shad, rien. Et tu repasses aux finesses. Et puis, beau. Beau cendre. On va le mettre au vivier pour pas casser la zone. Tu fais tourner. Au chat, j'y suis passé en linéaire, rien. Et là, regarde, JB, en 10 minutes, je mets le slingshot 7, tu vois, une grosse bouchée, avec des vibrations complètement différentes. Et là, j'ai vraiment pris en plus une très très belle. Donc, finalement, faut rien lâcher, faut faire tourner des leurres. C'est la règle, et puis surtout dans ces remous, là, tu vois. C'est aussi ça la pêche du cendre. Bon, un lac, je me régale, c'est le top. Puis là, tu viens en fleuve, il y a des courants, faut jongler, faut comprendre la tenue des poissons. Un coup, c'est plus au large, un coup, c'est plus près, un coup, c'est dans les remous, un coup, c'est devant les souches. C'est vraiment de l'observation et on en revient à ça. Il faut vraiment toujours procéder par élimination. Au début, j'ai fait le board, tout le mort, il n'y avait rien.
J'ai fait le plein courant en rien. Et entre les remous et le... C'est souvent des postes classiques, c'est vrai, mais... Tu vois, ils sont juste sur la petite marche dans 4,50 m d'eau. Ils ne sont pas plus profonds. C'est ce qui est génial. Tu prends des belles touches dans très peu d'eau. Allez, on va continuer. Poisson. Avec le courant, c'est pas évident. On n'a pas choisi les meilleurs. Oh, le coup des coachés. Un beau poisson. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Du coup, il faut rien lâcher au centre. Franchement, il faut se battre. Mais quand tu commences à faire des jolis poissons, je préfère à la limite en faire. Faire au moins, et voilà, les belles tailles. Après, c'est pas le super big encore, mais bon. Allez, go. Allez, on va continuer. Ces pousses là. Ils sont fous ces gens. Ils sont fous. On y va pour ça quoi. Pour la touche. Cette adrénaline qui monte quand tu prends cette touche. C'est assez violent quand même. Même si c'est pas le plus grand des combattants, leur touche quand même, c'est impressionnant. Tu te rends bien compte que ce poisson là, c'est le vrai prédateur. Non, c'est cool. Allez, si c'est décroché, c'est mieux. Sur le coup du soir, apparemment, le blanc quand même sort du lot. Autant cet après-midi, les couleurs pétards nous ont rapporté les plus gros poissons. Et on se rend bien compte que le soir, tu vois, ça a changé. J'ai repassé aux couleurs pétards, on ne faisait plus une touche. Et avec le blanc, on enchaîne les touches. Ah, décroché. On peut dire que le blanc, sur le coup du soir, là, il est sorti du... Allez, go! Allez, petit dernier pour la route, s'ils veulent jouer. C'est dur de partir. Hein. C'est vraiment dur de partir. Ah, j'ai pas envie. C'est le poisson où, le soir, tu crois que tu es un champion du monde, t'as tout compris, et le lendemain matin, il te remet le compteur à zéro, il t'explique que t'es pas dans le coup. Et si tu veux le comprendre, tu as besoin d'y passer encore plus de temps. Et je trouve ça exceptionnel. Moi, ce que j'aime, c'est apprendre, continuer à m'enrichir. La pêche, la passion, c'est ça. S'enrichir, apprendre tous les jours. Si c'est pour aller faire les mêmes choses, attraper les poissons de la même manière, il n'y aurait pas cette flamme dans tous les pêcheurs passionnés. Le truc, c'est apprendre, comprendre, trouver, chercher. Et voilà. Ça, c'est un poste typique en fleuve. Ça fait partie des postes qu'il faut faire en priorité souvent. T'as une pointe comme ça, voilà, t'as un grand courant,
tu as des zones de remous tout autour. Et souvent, les poissons se tiennent dans ces remous. Alors, à certains moments de la journée, tu vas les trouver très près de la pointe, ou du soir, ou du matin, ou quand ils s'alimentent un peu. Puis, il y a des moments où tu ne fais plus une touche là-bas, et en fait, on va faire des touches loin derrière. Ces poissons reculent. Alors, parce que le débit, des fois, baisse un peu, ça va les faire reculer. Et c'est pour ça qu'en fait, le poste paraît petit à la base, mais quand on regarde, on est très loin de là où on a démarré. Et donc, il ne faut pas le négliger, ça. Un coup, il faut monter, un coup, il faut descendre, il faut aller les chercher derrière, puis remonter. Donc, ça prend du temps. Et pour bien les pêcher, ces zones-là, au-delà de trouver les leurres, il faut déjà trouver le positionnement des poissons. Ça, c'est vachement important. Et puis dans le courant, c'est pas tout à fait pareil. Mais un poisson correct. Sur le bout. Et voilà! Fait plaisir, je l'ai pris très loin du bateau celui-là. Ça, ça fait partie des tailles de leurre que j'affectionne beaucoup sur les pêches en fleuve. Tu vois, ça fait allez, 5-6 pouces, 5 pouces et demi. Voilà, c'est un peu les tailles passe-partout et ça peut paraître gros, mais avec des tailles comme ça en fleuve, on fait des poissons de taille relativement modeste, même des poissons de 40-50, n'hésite pas à y taper dessus. Je vais pêcher un peu la bordure là, là il y a des souches sur le postonné, même si l'eau est pas belle, elle est couleur pétard, j'espère qu'on arrivera à déclencher un ou deux réflexes d'agressivité de la part des carnassiers. Regarde-moi ce bonbon. Ça fait toujours plaisir. Ouais, chercher les cendres, c'est sûr. Tu prends une perche, tu vas pas te plaindre non plus. Alors le leurre. Ça va être difficile de faire plus petit. Alors les bas de ligne, pour moi au cendre, ils ont vraiment une grande importance. Ce que j'utilise beaucoup, c'est le 6 livres, c'est-à-dire le 20 centièmes, 20, 23. Dans les endroits encombrés, je ne vais pas hésiter à monter jusqu'à du 12 livres. 12 livres, ça fait du 30 centièmes, 30, ça passe. Mais la moyenne, 6-8 livres, c'est le passe-partout. Si le rond est en cru, je ne vais pas hésiter par contre. Je vais monter du 10 livres, du 26, du 26 au 30, c'est ce que je vais utiliser le plus. Et un truc où il faut vraiment faire attention, la longueur du bas de ligne. Alors à des moments... Et alors là, j'ai pas l'explication, mais c'est ce que j'ai constaté.
Je fais pas l'erreur de monter les mêmes longueurs de bas de ligne sur toutes mes cannes. Sur des cannes, je vais monter des bas de ligne courts, 50 cm, 60. Et sur d'autres cannes, je vais monter des 2 mètres. Alors, plus l'eau sera claire, plus je vais le monter long, forcément. Mais plus on le monte long, et plus je trouve que quand on pêche léger, ça tire sur la canne. On a un peu plus de prise à l'eau. C'est pour ça que sur certaines cannes, je le monte court, 50, 60 cm. Et il y a des moments, ça peut faire la différence. C'est un petit détail, mais à l'arrivée, quand on les mettait bout à bout, c'est ce qui fait que tu réussis ta partie de pêche. Oh, ce rochu. Un très très joli poisson. T'as vu, il est venu se coller au leurre. Il a pas pris. Hein. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. On revient à ça. Tu fais tourner du leurre, tu tournes sur 2-3 poses dans ta journée en insistant. Hein. Parce que la pêche, on ne peut pas dire qu'elle est facile. Hein. Mais ça fait plaisir, voilà, un poisson de C4, C4, 5. Écoute, on prend parce qu'on est bien à la pêche. Certaines personnes vont s'abrutir, vont se régaler devant un match de foot, et bien nous on va se régaler quand on aura compris ce qui se passe, comment les prendre. Ce jour-là on dira, aujourd'hui j'ai compris, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Avec ce poisson-là, c'est aujourd'hui j'ai compris. Demain, on remet les compteurs à zéro, on repart, on cherche et on trouve. Si on arrive à faire ça régulièrement, eh bien, les parties de pêche, finalement, on n'en foire pas beaucoup. Même le jour où c'est très très difficile, tu arrives toujours à sortir ton épingle du jeu, hein, clairement. C'est aussi ça la pêche. On va pas à la pêche quand il y a les bonnes conditions. Ben, on va à la pêche quand on peut. Enfin, moi, ce qui me concerne, c'est ça. Donc, tous les moments, je les prends. Il faut être opportuniste au cendre. Rien lâcher. Et être polyvalent. Si on est polyvalent, si on ne s'enferme pas dans de mauvaises habitudes ou bonnes, hein, c'est-à-dire avec une technique, on arrive à se faire plaisir régulièrement. Parce que ce qui compte, c'est de la régularité. C'est pas de briller un coup et de redescendre, c'est d'être régulier. Poisson. Mes camarades, un poisson tellement comme ça. On en revient à ça. Pêche d'opportuniste. Un coup finesse, un coup XLR curly, un coup one up. Oula, c'est donc. Ah, journée compliquée, mais. Mais à force de changer, on en revient à ça. On a fait tourner des leurres, des grammages, on a tout essayé. Puis à l'arrivée, on ne peut même pas dire qu'il y a quelque chose qui est vraiment sorti du lot, mais... Ouais, par contre, le blanc et le psychédélique, on fait le plus de poissons, mais le blanc sur le coup du soir. Le psychédélique, quand les poissons étaient bien au repos, mais il n'y avait pas de vérité. Il y a eu du finesse, il y a eu de la caudale, il y a eu des finesses comme leurre. Il n'y a pas un leurre qui est vraiment sorti du lot. Mais le fait d'avoir tourné, ben, ça nous a permis quand même de réussir à se faire plaisir. Et à la pêche,
crois que c'est le plus important. On y va pour se faire plaisir. Et là, vraiment, en ce qui me concerne, c'est le cas. Si là où on n'est pas bien, si on n'est pas bien ici, là, c'est qu'on va être bien. Moi, je m'en lasse pas. Et ce cendre, plus tu le pêches, et plus tu as envie de t'y acharner dessus tellement que c'est... Il n'y a pas une sortie des mêmes.